26 ans, 2m07 pour 125 kg, voici Raphaël Guémot, nouvelle recrue du SEB Lorient Basketball la saison prochaine. Ancien pensionnaire de l'Union Tarbes Lourdes Pyrénées Basket et du camp Basket Calvados, deux clubs avec lesquels il a décroché deux montées en National 1, le pivot affiche la même ambition en arrivant à Lorient. On fait jamais 203 et voilà, j'avais l'opportunité d'arriver dans un projet avec des responsabilités, c'est ce que je veux. Et voilà, j'ai signé pour 2 ans, j'espère m'inscrire dans le long terme avec le CEP Lorient et refaire une montée l'année prochaine et refaire un titre l'année prochaine. Je veux prendre ma revanche cette année parce que j'ai pas trop joué. Même si on a un titre, je suis très content, mais je suis quelqu'un qui aime jouer. Je suis sorti d'une très grosse saison en National 2 l'année d'avant et j'espère reproduire le même type de basket. Expérience en Pro A avec Besançon et aux États-Unis sur son CV, le natif de Marignane a été séduit par la volonté du CEP d'étoffer son effectif. Mais c'est surtout la venue du nouvel entraîneur, Philippe Maucourant, chez les CEPistes, qui l'a mené vers le Morbihan. Le coach Maucourant aussi m'a beaucoup attiré parce que c'est un coach de haut niveau et on m'a parlé du recrutement qui allait être fait et on a montré qu'il y avait de grandes ambitions. Il a été coaché par Yann et par Camille. On m'a dit que des bonnes choses sur lui, qu'il aimait jouer avec des gros gabarits à l'intérieur et qu'il présentait un type de jeu que j'aimais bien, donc j'ai pas réfléchi honnêtement, j'ai signé direct. Raphaël Guémot est la seconde recrue du CEP après Destin Damachoua, ex-meneur du JSA Bordeaux. Deux arrivées qui en appellent d'autres dans les prochaines semaines.